à l'item 9, infrastructure et gestion des eaux, item 9.1.1, appel d'offres, services professionnels de plans et devis, prolongement des infrastructures sur la route 219 et le chemin du Clocher. Proposeur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Madame Marco. Je propose que soit octroyé aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage, soit les consultants SM Inc., le contrat pour les services professionnels relatifs à la confection des plans et devis pour le prolongement des infrastructures sur la route 219 et le chemin du Clocher, le tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet et aux coûts unitaires inscrits au bordereau de soumission pour un montant total approximatif de 107 539,56 taxes incluses. Que les sommes requises à cette fin soient prises au fond du règlement d'emprunt 1204 et que la présente résolution soit conditionnelle à l'approbation de ce règlement par le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire. Appuyeur, s'il vous plaît. Appuyé. Appuyé par M. Savard. Est-ce que tout le monde est d'accord? Monsieur le maire. Monsieur Laplante. On est devant un dossier ici que vous mettez sur la fast track, sur la voie rapide. Vous voulez vous dépêcher de voter ce projet-là juste avant les élections. Donc, ma question, vous savez, moi, je suis en défaveur de ce projet-là, en raison que le projet va détruire un autre boisé qui se trouve sur un terrain à l'Acadie où vous voulez amener justement l'aqueduc. Donc, ma question, M. le maire, pourquoi on met ce dossier-là sur la fast track juste avant les élections? Écoutez, moi, je peux juste répondre ceci, M. Laplante. C'est un projet qu'on parle, Mme Marcoux, depuis 4-5 ans et plus. Je ne sais pas si ça s'appelle Fast Track, là, mais si ça s'appelle Fast Track, on n'est pas vite. Il vient juste d'apparaître, M. le maire, il est apparu. Il était là dans le passé aussi. Oui, mais on ne l'a jamais vu, on l'a jamais soumis. On l'a soumis depuis l'avant-dernière réunion. Et là. Là, vous restez surpris parce que vous le voyez, mais on l'a vu il y a deux semaines ou il y a quelques semaines. Oh, oui, c'est ça. Puis là, on va de l'avant encore, on accélère le processus. Oui. À qui appartient le terrain où vous voulez amener l'aqueduc à l'Acadie? Ah, ben moi, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée au moment où on se parle. Mais on peut le savoir, par exemple. Est-ce que quelqu'un dans la salle sait à qui appartient ce terrain-là? Mais ça change quoi dans la fast track? Juste pour savoir. On est en train de mettre sur pied un projet domiciliaire qui va détruire un autre boisé à l'Acadie. Puis il n'y a personne ici qui s'interroge à savoir à qui on répond pas, Mme Marcoux, vous avez très bien répondu il y a deux semaines. Dans la destruction de boisé, je pense que c'est pas premièrement, quand on parle de fast track, on est loin de là, parce qu'on en parlait pendant les élections 2009. Ce dossier-là fait le PTI depuis quelques années. Et la deuxième des choses, quand vous parlez de destruction de boisé, je tiens, là, ce qu'on fait, on va chercher vraiment les coûts pour savoir comment ça coûte pour monter l'eau et les égouts à cet endroit-là. Et pour être capable de développer le terrain, on a besoin d'une modification de zonage. Et soyez sans inquiétude, je peux vous le confirmer, les gens de la rue Gérard Lécuyer, Michaud, Mété, Bergeron sont parfaitement au courant du dossier. Et vous savez très bien que pour faire une modification de zonage, on s'en va consulter les zones contiguës. Donc, ces gens-là auront le droit de vote. Ma question, M. le maire, à qui appartient le terrain où on va amener l'aqueduc? Moi, je sais à qui il appartient. C'est une compagnie à numéro, mais je me demande qu'est-ce que ça change dans le dossier. Juste à une compagnie à numéro? Bien, il y a des noms, il y a des gens. Il y a des gens de l'Acadie, il y a des gens de Saint-Jean. Je n'ai pas d'affaire à nommer personne ici en public, moi, monsieur. Monsieur le maire, j'ai été vérifié. Est-ce que ça n'aurait pas intérêt de changer quelque chose dans le dossier, monsieur? Monsieur le maire, j'ai fait la vérification, puis le terrain où on veut amener l'aqueduc appartient à Gestion Guy Sanson et à une compagnie de numéro. Donc, c'est les principaux propriétaires du terrain. Donc, à ce que je cherche, monsieur le maire, la Ville n'a pas présentement des problèmes juridiques avec Guy Sanson? Je pense qu'il vous manque un petit bout du dossier. Bien, allez fouiller encore un petit peu, vous allez voir, je pense que M. Sanson n'est plus dans le dossier. Bien, je m'excuse. Il est acheté. Acheté par qui? Il est acheté, mais M. Sanson n'est plus du tout dans le dossier. Alors moi, j'aimerais savoir, Mme Marcoux, parce que je suis conseiller comme vous, j'aimerais savoir par qui il a été acheté. Vous êtes avancé. OK. Non, pas du tout. Tout le dossier. Jean-Claude Baudin. Jean-Claude Baudin? Oui. Et vous êtes seul dans ce projet-là? Non, on est cinq. Qui sont ces quatre personnes qui vous accompagnent? C'est quoi? C'est l'ancien. C'est certain.
Mais M. Baudin, vous n'êtes pas obligé de répondre à ces questions-là. Simplement par curiosité. C'est bien. Merci. Oui. Monsieur le maire, est-ce qu'il y a une blacklist des gens qui ne peuvent pas développer à Saint-Jean actuellement? Que... Pas, non, il n'y a pas encore de blacklist, mais on sent que... Mais je pense que la question, c'était est-ce que le terrain appartient à M. Sanson? Eh bien, la réponse, c'est non, M. Laplante. Pourquoi vous ne partagez pas cette information, Mme Marceau? Non. M. Laplante, vous ne me l'avez pas demandé, vous me la demandez, je vous réponds. Les verres du nez. Mais, M. le maire, je vais voter contre cette proposition pour les motifs que j'ai évoqués tantôt. Alors, merci, M. Laplante. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont contre? Merci.